Eh bien bonjour à tous, c'est Grana, on se retrouve pour une petite vidéo sur Fortnite. Bon alors en fait en gros j'ai pas filmé parce que je pensais pas que j'allais faire top 1 comme d'hab, je filme pas, voilà. Désolée, donc on revoit en rediffusion, c'est pas très grave. Alors, pour cette game, comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir mon deuxième top 1 en pleine action. Vous allez voir, c'est vraiment trop cool. En plus c'est mon premier top 1 en solo où je tue vraiment la dernière personne parce que la dernière fois... il est mort de la zone et c'était nul, alors voilà. Donc pour cette game, on est parti à Lucky Ending. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai choisi cet endroit. Je crois que c'était parce que je devais atterrir là-bas. Donc j'y suis allée pour un défi. On pouvait voir qu'il y avait une personne au loin là-bas. Oh là là, elle va mourir, j'en suis sûre. Bah oui, j'en suis sûre. Attention, elle m'attaque. Oh mon dieu, elle m'a attaqué, la personne m'a attaqué, elle m'a attaqué, elle a voulu me tirer dessus. Elle est folle, cette personne. Donc là, en fait, la personne était au-dessus de moi, du coup, elle était en train de casser. Elle savait que j'étais là. Et du coup, bah voilà, moi j'étais un peu un brebis, je me cachais et tout, mais... ah là là, elle m'a stressé cette personne. Elle était en train de casser juste au-dessus de moi, et là, boum, j'ai sauté avant qu'elle construise, et boum, elle a regardé, elle pose un piège, et boum, je l'ai tué. Voilà, c'est le petit kill de Grana, tranquille. Elle a cassé le plafond qui était au-dessus de moi, et moi, au moment où elle a cassé, j'ai sauté, en fait, j'ai spammé pour sauter. Et ensuite, ben, au moment de la construire, en fait, j'étais en train de passer, du coup, bah voilà, ça n'a pas marché, je l'ai tué. A few moments later. Il ne restait plus beaucoup de joueurs déjà, donc on dit dans le top, à peu près dans le top 10, à peu près en dessous, je sais pas. Puis il y avait quelqu'un de très proche, et moi je l'avais même pas vu. Je suis vraiment trop nulle pour ne pas le voir arriver, vous allez voir. Voilà, donc c'est bientôt que... quelque chose va t'arriver. Bah déjà, vous voyez, je le vois, je construis comme ça, franchement, si ce serait un joueur pro qui serait là, bah je serais... oh là, j'arrivais pas à viser en plus. Oh là là, je serais déjà mort. Oh, j'ai eu trop de chance par contre. A few moments later. Maintenant, ça fait pas mal de temps qu'on a tué le petit bonhomme. Voilà, maintenant on est tranquille, on prend des geysers, on se déplace. Par contre là, on s'adresse, on est un gros bambi, on fait que camper, que camper. On campe, on est tranquille dans notre petite cabane. En fait, il y a des gens partout autour de nous et nous, bah, du coup, on sait pas quoi faire. Du coup, bah, on campe. Hein. Oui, bah oui, il y a que ça à faire maintenant. Hein. Sauf que un petit bonhomme va décider de se rapprocher. Et moi, qu'est-ce que ça me fait? Ça me donne envie de tuer. Donc, je vais tuer. Aïe, ça fait mal. J'étais obligée malheureusement de me décaler parce qu'il y avait la zone, du coup je suis descendue de la montagne. Il y a un gars, il me snipait et tout. Bon, il s'est fait rusher, donc ça m'a laissé le temps de partir à la zone. Donc derrière moi, il y avait deux gars qui se battaient et juste devant, il y avait deux gars, enfin moi et un autre gars, qui se battaient contre le gars qui avait la hauteur. Mais heureusement, il y aura la zone et il y aura des morts. Ouais. À ce moment de la partie, on n'était plus que trois. Il y avait un des deux gars derrière qui est mort et donc il restait lui. Il a regardé ça. Boum! Et bah non, en fait, j'ai pas tiré. C'était le stress. Le stress ne fait pas tirer. Il a, je me dis, allez, go! Je lui ai mis une balle, il a plus de vie. Moi, je pensais qu'il avait encore beaucoup de vie, vous voyez, mais en fait, bah non. Et sans faire exprès, j'ai posé un piège. Et je stressais tellement que je savais même pas ce que je faisais. J'étais en stress total. Là, il y avait la zone et tout. Et je crois qu'en fait, il va mourir dans la zone. Ouais, regardez, attention. Là, il est dans la zone. Je me dis, où est-ce qu'il est? J'aimerais bien le tuer. J'essaie de bloquer et tout, de me protéger. Et en fait, il est mort. Donc, là, j'étais en stress total. Il y avait deux mecs avec moi. Et
du coup, bah là, je prends la faille et boum, j'ai la hauteur. Je regarde ce qui se passe, voilà. Regardez l'erreur d'aller dans la zone pendant quelques secondes. Ça me fait perdre 10 de vie, je crois. Mais bon, c'est pas très... Donc, il y avait deux gars en bas, ils se battaient et moi, j'étais tranquille en l'air en train de les regarder. Je me disais, où est-ce que j'atterris? Soit je me cache quelque part en bas, soit je vais en l'air et j'essaie d'avoir la hauteur. Mais j'avais peur que quelqu'un soit avec moi en l'air. Du coup, bah voilà, j'atterris tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et là, boum, la petite tête, voilà, il est mort. Il restait plus qu'une personne avec moi, donc on n'était plus que deux. Je voyais qu'il était en bas, du coup, je descends en mode youtubeur, je repasse. Bon, en mode comme ça. Et boum, mitraille, mitraille, je suis stressée. Boum, kill, papin. Cool. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, like, c'est pareil, on s'en fiche. Je veux un pouce bleu, moi, c'est cool les pouces bleus, hein. Merci à tous et au revoir.